La soirée se comporte de deux parties. Une première partie qui est un prologue où l'exposition reste ouverte. Il y a un certain nombre de performances qui ont lieu en parallèle. Et dans un deuxième temps, les spectateurs pourront suivre un parcours qui déambule à peu près dans tout le bâtiment, enfin une bonne partie du bâtiment. Plusieurs lieux sont investis avec des propositions chorégraphiques différentes. Bien sûr, le lieu influence énormément les propositions et c'est ce qui motive l'envie de création, on va dire. J'avais à cœur de proposer quelque chose qui s'imprègne du lieu et de l'œuvre de Degas.